Tu as bien le bouton vert qui est allumé sur le micro. T'as appuyé ? Bah ouais. Là, le focus, tu vois, il sera mieux que dans mes dernières vidéos. Parce qu'il y a quelqu'un derrière pour l'analyser. Assumant son statut désormais pleinement reconnu de cinéaste à message politique. Assumant désormais pleinement son statut de cinéaste à message politique. Romero double son analyse de gauche, et après je sais plus, ni ta mère. De gauche. Mélenchon. Romero double son analyse de gauche, de la nouvelle peur, putain, de la nouvelle obsession, non je sais plus. Il s'agit encore une fois de donner la parole aux exclus de la société, c'est-à-dire aux minorités radicales ou aux minorités du genre. Ok, d'accord, ta mère. Il s'agit encore et toujours de donner la parole aux exclus de la société, c'est-à-dire aux minorités radicales ou aux minorités du genre. Il s'agit encore et toujours de donner la parole aux exclus de la société, c'est-à-dire aux minorités radicales ou aux minorités de genre. Ok, magnifique, j'adore. Avec Michel Anastasius. Bonjour. Patrick à la caméra. Et Jean-Michel Le Sron. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette rétrospective assez spéciale puisqu'aujourd'hui nous allons nous intéresser à... Puisqu'aujourd'hui nous allons nous intéresser à un réalisateur que j'aime... Puisqu'aujourd'hui nous allons nous intéresser à une infime partie de la filmographie d'un de mes réalisateurs préférés, George Romero. Je vous recommande le visionnage de l'adaptation réalisée par Francis Lawrence, qui est vraiment un très bon film, n'est-ce pas? Voilà. Le petit n'est-ce pas de Monsieur Jean-Marie Le Pen. À titre de comparaison, La Nuit des Morts Vivants a coûté 110 000 $, alors que le dernier film, lui, coûte 17 millions. Là où Le Territoire des Morts Vivants a coûté 17 millions. Voilà, magnifique, avec des belles têtes de beaux gosses. Ça coûte cher. Jamais je n'aurai ce prix pour faire un court-métrage de merde. Assumant pleinement son caractéristique, mais ta mère. C'était Loan pour la courte rétrospective sur la filmographie zombiesque de Romero. On se dit à la prochaine pour une nouvelle rétrospective. Ciao tout le monde. Peace. Iii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